Le droit reste le droit. C'est ainsi que, par exemple, par rapport à Gudjolo, qui a été acquitté, c'est bien le signe que la justice est indépendante. Lorsqu'une accusation est faite et qu'il s'avère que les faits ne sont pas du tout établis, la décision d'acquittement est une bonne décision puisque tout le monde bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Nous sommes un peu désolés de voir comment la personne qu'on avait déférée devant la CPI a été acquittée. C'est du bon droit, mais nous sommes lésés, les victimes bien sûr, nous sommes lésés de voir que la République n'a pas apporté des preuves suffisantes pour convaincre la Cour à condamner ce genre d'action. Je crois que c'est une décision qui rentre dans la logique de toute procédure judiciaire. Soit quand on est prévenu, on est condamné, soit on est acquitté. Alors, l'acquittement rentre dans l'ordre normal de l'issue d'un procès.